This is your story. Hi Mina, c'est Kyu-chan. Je vous retrouve donc pour la suite de Final Fantasy X. Je suis toujours en stream et je suis un peu sur les nerfs parce que ça fait une heure que je suis sur la course de Chocobo et j'ai toujours pas réussi à la voir. Donc j'ai décidé d'abandonner comme la grande courageuse que je suis parce que j'ai les nerfs en plotte. Donc voilà. Donc après avoir fait ce petit tour d'annexe, nous allons donc continuer sur le let's play. Et donc on va quitter la plaine Félicité. Coucou Omniwalk! Donc on va abandonner le Chocobo ici, hein, parce que le Chocobo il ne nous suit pas. Alors je vais faire un point de sauvegarde ici parce que il y a malgré tout une grosse bébête qui m'attend après. En même temps, vous connaissez les Final Fantasy, un point de sauvegarde veut dire emmerde. Comment ça va, Omniwalk? Tu es venu te perdre sur mon stream? We have nothing to discuss with Maester Seymour. Yeah, so out of our way. Lord Seymour's commands must be obeyed. You will come. On l'emmerde ton Seymour. The Maester doesn't need you alive. Oh mon dieu, ça fait boum boum. C'est un T-Rex? Non, ce n'est pas un T-Rex. Ah, tu fais Xenogir? Moi, je t'avoue que j'ai abandonné Xenogir parce que j'avais commencé un let's play sur Xenogir, mais je me suis rendu compte que le jeu ne me plaisait pas. Donc, je l'ai abandonné, littéralement. Par contre, j'ai pas changé mes armes. J'aurais peut-être pas dû mettre celle-là en fait. J'aurais peut-être dû reprendre celle qui a Somnie. Bah en fait c'est surtout que je... Ah merci pour le follow Carmente. C'est surtout qu'en fait je pensais que le jeu me plairait mais en fait il me plaît pas du tout. Donc voilà au final j'ai préféré le laisser de côté. C'est des choses qui arrivent. Salut, j'ai follow tous les VTubeurs recommandés, bravo à toi, je repasse dès qu'il y a des notifs de live. Bah, n'hésite pas, tu peux rester, hein, tu sais, hein, mais bon. Donc, est-ce qu'on peut le mettre en somnie? Non, il est en garde de somnie, ok. Bah, tant mieux pour toi. Moi, j'y ai joué un moment, mais au bout d'un moment, ça m'a... voilà. Ok, donc je vais t'appeler Karma, alors. Ce serait bien si ça participait les autres. Parce que ce serait con que je le bute, quoi qu'il a beaucoup de vie techniquement. Hein. Mais ce serait bien si ça participer les autres, qu'ils aient quand même de l'XP. Ah bah tiens donc! Je reviens dès qu'il y a plus de VTubeurs promis. Ah bah, des VTubeurs, il y en aura toujours, hein, techniquement. Riku. Raté, mais c'est pas grave, au moins elle a agi. Out. Ouh. Ah, d'accord. Ça pop, ouais, ça pop à l'infini, les VTubeurs. Tac. Les machines, ça aime pas la foudre. Yuna.
Ah bah, ça servait à beaucoup de le soigner, tiens. Mais qui m'arrive, putain! Roquette au point! Ah, on a son nombre de vie, combien de vie il lui reste? Ah ouais, quand même. Fait de pierre, il est très résistant. Ah merci, je le vois. Merci, je le vois qu'il est résistant. Ouch. C'était quoi ce changement de caméra? J'ai presque cru qu'il allait faire un overkill tellement le changement de caméra était pas attendu du tout. Ah putain! Cette double attaque est très chiante. Pendant ce temps... Quoi? Eh, je lui enlève de la vie, hein. Bah, en même temps, là, je rage sur un boss, par contre. C'est pas pareil. Et hop. J'ai envie de dire, tant que Auron a la puissance... Encore un changement de caméra. Ok, Yuna a pris l'overdrive courage, pourquoi pas. Je sais pas, c'est une grande question.
T'as toujours l'impression qu'ils vont faire une attaque genre un overkill, tellement le changement de caméra est violent, mais non, c'est juste un changement de caméra. Ça pourrait signifier un changement de phase de... Ah, il est presque mort par contre. Il est presque mort par contre! Je vais d'abord soigner avec... C'est juste pour, montrer le, le derrière des persos. C'est ça, en fait. Auron, prends vite ton tour. Comme ça, on l'achève. Ah, Yuna a appris que là, décidément. Deux types d'overdrive en une seule... en un seul combat. Allez, one shot! Voilà! Overkill! Ah, on a quand même pris pas mal de... d'XP. Voilà, même pas de cinématique ou de scénette pour clôturer. Non, non, c'est normal, tout va bien. Ah bah, il est là, le sort carapace! Alors juste en cas de besoin, je vais ouvrir cette clé niveau 2. Voilà. Il reste Lulu qui a 2 levels. Bah, c'est bien pour revenir en arrière justement. Hop. Voilà. On va retourner au point de sauvegarde. Comme ça, on va récupérer nos vies et bah, sauvegarder comme ça aussi. Voilà, je sauvegarde. Parfait. Et on va pas aller tout droit, parce que il y a en effet un chemin par lequel est arrivée la bestiole. Et on va l'emprunter. Donc techniquement, le chemin qu'on va prendre est un chemin optionnel. Comme l'a dit Lulu, ce n'est pas le chemin pour aller vers Zanarkand, ça descend dans le bas de la vallée, mais il y a quelque chose en bas de la vallée, justement. Et donc, bah, il faut y aller, justement. Parce qu'il y a ceci. Where are we? The faith is inside. As are the fiends. Hey, this where? Hmm. Where? What? Il est où, Auron et Kimari? Ils sont où? I guarded on my first pilgrimage. Died here. Ok, Drago, viens. Let's go. The faith awaits. Donc techniquement, je rappelle que c'est une zone optionnelle. Donc il y a un priant, donc une chimère à aller chercher. Et c'est une des chimères cachées du jeu, justement. Et donc on apprend que c'est ici que Lulu a échoué avec son premier invoqueur. Puisque ce n'est pas la première fois qu'elle est gardienne. Et donc ici, elle a échoué. Son invoqueur est mort ici. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais changer l'équipement de... voilà, je vais récupérer mes équipements de dresseur. Donc mes équipements qui capturent. Je crois que j'en avais une pour Kimari aussi, non? Si. Alors. Parce qu'il y a... Je vais pas capturer tous les monstres. Mais il y a un monstre ici que je dois capturer. Et qui me sera utile pour plus tard. Mais on va quand même essayer d'en capturer quelques-uns. Pour dire deux.
Si je mets mort, ça compte? Je pense pas que je puisse pas être mort en fait. Je peux regarder, mais je ne pense pas. Et puis de toute façon, je pense que j'en ai déjà modifié, donc. Tu vois l'adresseur, je l'ai déjà modifié. Maintenant, j'avais déjà modifié mes armes en fait à la base. Donc. Et puis de toute façon, même. Attends, je vais prendre une arme au pif. Mais je pense pas que je puisse. Ah, je peux prendre mort plus. Ah, bah oui, j'ai souffle de l'au-delà. Mais je crois que je dois aller garder souffle de l'au-delà. Encore? Je rappelle que pour faire la quête à 100%, il faut en capturer 10 de chaque hein, quand même. Hein. Ce qui va être chiant quand je vais devoir chercher le tombéry. Parce que oui, il y a des tombéries ici. Il y a des tombéries ici, rien que pour faire chier. Pas un coffre. Ah, il y a un coffre ici. Putain, je veux bien, mais... si c'est le même combat, je me casse. Hein. Du farm, je peux en faire en off. Hein, Et je crois que même Waka, il a déjà... Attends. Ouais, mais non, je vais peut-être pas utiliser tout de suite le mort plus. Pas mes souffles de l'au-delà. Don't ask me. They say it was stolen from a temple long ago. Huh? With no faith, summoners cannot train. Without training, they cannot call the final Aeon. Without the final Aeon, they cannot defeat Sin. That is why. Because then the summoner won't die. Hmm. That must be what the thief was thinking. I kind of agree with him. Mm-hmm. Alors, il y a une théorie très intéressante. Ok, non, clairement pas, au revoir. Je disais, il y a une théorie très intéressante sur où se trouvait le priant à la base de la chimère qui est ici, puisque, comme l'a signalé Auron, c'est un priant qui a été volé. Donc, c'est un priant qui n'est pas ici à la base, il a été volé à un temple. Et il y a une théorie intéressante sur quel serait le temple à la base... Bah, qui aurait servi à ce priant, justement. Alors, je vais pas parler de la théorie maintenant, parce que... Bah, parce qu'on n'est pas... Ça risque de spoiler un truc, en fait. Donc, pour YouTube, je n'en parlerai pas tout de suite. Mais je vous en reparlerai en temps voulu. Comment on a pu voler un priant vu la taille du truc? C'est une bonne question, en effet. C'est une bonne question, en effet, mais voilà, quoi. Tu sais, ils ont quand même de la technologie. Hein, ok, c'est énorme, mais ils ont de la technologie, donc je vais pas dire que c'est impossible non plus. Hein. Et puis aussi, pourquoi l'avoir amené ici, quoi? Je veux dire, si tu veux pas que les invoqueurs s'entraînent et aient accès aux priants, balance-le au fond de l'océan! Plutôt que de venir le mettre ici, dans cette grotte. Oh non. Putain. Ça va être chiant.
Parce que maintenant, il faut qu'ils se réveillent, mes persos. Ah, Yao, ok. Ouais, mais encore une fois, si tu veux... Ok, il y a les ennemis qui ont l'air bien chiants et tout ça. Mais si tu veux pas que les... Si tu veux pas que les invoqueurs prennent le risque... Parce que malgré tout, l'amener ici, c'est quand même prendre le risque que les invoqueurs viennent malgré tout. Donc ils vont quand même prendre le risque de se faire buter par les monstres. Alors que justement, si tu le balances au fin fond de l'océan, bah, il n'y a aucun danger qu'ils aillent le chercher. Maintenant, en effet, est-ce que c'est le priant qui attire les ennemis? Ou est-ce que c'est... ou est-ce que c'était là de base? C'est une grande question aussi, j'en sais rien. Ça, c'est pas expliqué. C'est pas expliqué. En même temps, les chimères cachées, elles portent bien leur nom. Hein. C'est un peu les chimères dont on sait le moins de choses. See ya! Les ennemis qu'on a déjà vus, je les jarte. Bon, on n'a pas capturé les plantes pour le coup, puisqu'évidemment, je les ai butés avec l'overdrive, hein, mais bon. C'était ça ou mourir. Hein. Ah, un vieux copain! Un vieux copain. Esprit peu élevé. Ça veut dire qu'il faut utiliser de la magie, ça. Même pas. Enfin, quoi que si, hein, ça marche. Hein. Voilà. Ça se capture pas, ça. C'est juste une machine. Écoute, lui, elle a pris cher. Hein. Ce serait un bon endroit pour farmer un petit peu d'ailleurs au passage. Ah! C'est lui que je veux! C'est lui que je veux capturer! Ah oui, il faut que j'utilise Ryuken, c'est vrai, t'as raison. Je vais le faire tout de suite, avant de le capturer. Voilà. Attends un peu. Est-ce que j'ai obtenu ce que je crois que j'ai obtenu? Alors, ah, défense mort, ça pourrait être pas mal ça, défense mort. J'ai quoi pour l'instant? Nul tonnerre. Défense mort, hop. Parce qu'en fait, techniquement, le fantôme, si vous le farmez au centre d'entraînement, il peut vous donner des boucliers avec sécurité. Donc pour éviter les combats aléatoires en fait. Mais défense mort, c'était pas mal. T'es nul, Kimari! Oh putain. T'es sûr que t'as été sur le sphérié de rond parce que t'as pas de puissance, hein, Kimari? Mais vraiment pas, quoi. Oh, oh
ce perso. Oh. Bah ah. Y a pas un truc à faire avec ce boss, avec ce monstre. Seulement? Bon bah celui-là. Perdu! Wow! Wow, la violence! La violence! Ok, on y est. En fait, c'est con, j'aurais pu me soigner avec la sphère, en fait. Allez, vous êtes prêts? On y va. Sent. Elle a la même tenue que Belgémine. It is. It's you, is it not, Lady Ginnam? Forgive me. I was too young. Surtout Lulu, tu te battais comment à l'époque, vu que t'apprends seulement tes sorts les plus puissants avec nous, en fait? There is no human left in you now, is there? Et comme c'est une invoqueuse, enfin une invoqueur, elle va nous envoyer une chimère. La chimère, justement, qu'on va récupérer dans ce temple. Bah, entre guillemets, temple. Bah, en même temps, c'est ça, quoi. Elle avait à peine brasier, glacier et tout ça. C'est avec nous qu'elle récupère les soins, les magies plus et X. Donc, tu m'étonnes qu'elle a échoué à sa première émission. Sa première émission. Mission. Et voici... Un cousin de Odin. Yojimbo! Ouais, c'est un cousin à Odin. Parce qu'il va utiliser les mêmes principes que Odin. Alors, il n'y a que lui qui est attaquable. Hein. Le chien, non, et elle non plus. Hein. Ils sont au combat, mais il n'y a que lui qui est visible. Et techniquement, il n'y a que lui qui fera des dégâts. À part, il peut envoyer son chien au combat. Il peut envoyer son chien au combat, mais en général, voilà. C'est lui l'ennemi, en fait. Alors, ce qu'on va commencer par faire... Zut. Il n'y a rien à voler, ok. Voilà, Daigoro, c'est le chien, justement. Voilà, hop. Merde. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est surtout vous faire participer un peu tout le monde, pour le coup. Yuna. Et Lulu.
Je sais qu'il m'avait beaucoup fait chier à une époque. Notre ami, justement, Yojimbo. Elle est lente, Lulu, c'est horrible. Déjà? Il est déjà affaibli? Mais c'est moi ou je suis juste overpower, là? Je suis juste overlevel, là, en fait. Pour qu'il soit déjà affaibli comme ça. J'avais un souvenir que ce boss était... Que cette chimère était dure à buter. Bon, maintenant, il est vrai que je faisais pas... J'ai jamais fait autant de farm que j'avais fait jusqu'à présent. Donc, en fait, je crois que je suis juste clairement overlevel, en fait. Overpower. Il m'a à peine touché, quoi. Il m'a fait 3 attaques. Yuna, the faith is inside. Go do what you came to do. D'un côté, ça m'arrange, ça fait un combat pas trop long. Alors, avant, on va d'abord, parce qu'il y a 2 salles sur les côtés, donc on va d'abord aller visiter les 2 salles et puis on ira voir le priant, qui est un priant très particulier, vous allez voir. Et maintenant, on va voir le priant. Ah, maintenant, on n'en a plus rien à foutre. Hein. Même Tidus, il est rentré avec elle. Hein. Non, deuxième, parce qu'on a vu celle de Bahamut, je te rappelle. Hein. Vu qu'on a sorti Yuna de la salle, du priant de Bahamut. Donc c'est la deuxième salle du priant qu'on voit. Et voici le priant de Yojimbo. Accompagné de son chien, évidemment. Hein. Voilà, c'est une chimère très particulière parce qu'en effet, déjà on va devoir le convaincre. Donc déjà, on va lui dire que c'est pour terrasser le plus puissant des ennemis, ce qui est vrai. Voilà. Il veut qu'on paye. Est-ce que j'ai assez d'argent? Ouais, j'ai assez d'argent. Donc, tac... Attendez. 4, donc c'est 5 ici. Et 2 là. Voilà. Et en fait, je pense que selon la réponse que vous lui donnez, il vous demande plus ou moins d'argent en fait. Et techniquement, si vous lui répondez justement terrasser le plus puissant des ennemis, il vous demande le moins justement. Je crois que c'est ça. Je crois que si tu triples, il te donne des objets mieux. Si tu triples... Ouais, bah oh... Je pense pas que ça a à voir avec les objets, je pense qu'il m'obéit plus. En fait, il faut savoir que Yojimbo est très particulier. Alors déjà que j'invoque pas beaucoup mes chimères, mais Yojimbo est vraiment très particulier, puisque
quand je vais l'invoquer, si jamais ça arrive, il faudra que je le paie pour qu'il agisse en fait. Et selon l'argent que je vais lui donner et l'affinité que je vais gagner avec lui, il va m'obéir plus ou moins facilement en fait. Donc si je joue beaucoup avec lui, je peux facilement le payer un guil et il peut faire son attaque ultime facilement. Mais il peut aussi faire n'importe quoi, il peut aussi faire des attaques de merde. Alors, il y avait un objet récupéré, ouais je la vois. Il y a un objet récupéré ici qui sera utile pour plus tard. Et après on s'arrêtera pour YouTube. Ouais, il faut que je récupère ça. Pourquoi? Vous verrez. Oh. Surprise, t'es sérieux? Non mais oh. Pas peur à moi. Hein. Il y aura un manuel au fond? Bah techniquement j'en ai 25, le 26e il est pas... Il est pas à la zone suivante, le 26e. Parce que j'ai eu le 25e dans la... J'ai eu le 25e dans la truc. Bah non, parce qu'il n'y a pas 26 lettres, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Attends, je sais plus. Ouais non, il manque le 26e. Il me manque le 26e. Le 26e. Ah, dans... ah oui, je sais où il est. Je sais où il est le 26e, ça y est. Ça vient de sortir dans ma tête. Il faudra que je récupère ces deux-là qui sont encore récupérables. Mais ça va. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode de YouTube. Donc j'espère que ça vous a plu pour YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos. Bah oui, et voilà, vous voyez, sur Twitch, rejoignez la communauté et moi je vous dis ciao tout le monde!